Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. Nous sommes ici sur le site de Mulhouse, usine Peugeot qui fabrique la Peugeot 2008. Nous allons vous dévoiler une des nouveautés du salon de Genève, le 2008 restylé, dont vous avez l'exclusivité. Un véhicule qui sera présenté dans 15 jours et qui renforce son caractère SUV. Laissons la place à Keith Ryder, le designer de ce véhicule, de vous présenter les nouveautés de la 2008 restylée. La première chose qu'on voulait faire avec la nouvelle 2008, c'est travailler l'équilibre de la voiture. La première 2008, on avait une voiture qui était très élégante, très très fluide. Avec la deuxième version, on voulait faire quelque chose avec plus de force dans un esprit SUV. Et pour aller dans ce sens-là, la chose qu'on voulait faire en question d'équilibre, c'est de monter le capot. Ça veut dire d'avoir un capot plus horizontal et une façade avant très verticale. Le calandre qui est travaillé dans une manière, on peut dire en anglais, un peu sharp, assez rigoureux. Nous avons bien sûr des sabots qui donnent une impression de robustesse. Et sur le côté caisse, nous avons le passage de roue, qui donne l'impression de protection de le côté caisse et aussi un autre esprit SUV. Nous avons traité en détail aussi le phare avant avec un masque noir. Et dans cette version-là, le calandre il est noir brillant avec un black chrome sur la facette. Ça, c'est sur le GT Line en fait. Et sur la face arrière, quelque chose qui est très très important. On voulait amplifier l'esprit de la griffe Peugeot. On était complètement travaillé à l'intérieur de la phare pour accentuer cette affaire-là. Sur le GT Line aussi, on a le canule d'échappement. Le canule d'échappement avec une intégration avec le sabot. Et ça donne aussi quelque chose qui renforce l'arrière de la voiture. Nous voici à bord de la 2008 restylée. Keith Ryder vient de nous présenter les modifications esthétiques à l'extérieur. À l'intérieur, beaucoup moins de modifications, mais toutefois des spécificités sur cette version GT Line. Des nouvelles crosses de porte noires laquées, des liserés rouges autour des compteurs et une sellerie spécifique sur cette version qui arrivera au mois de juin en concession.